Et voilà, monsieur. Cela vous convient-il? Oui, très très bien. Permettez, un instant. Merci. Tenez, au revoir. Merci, au revoir, monsieur. Alors, vous avez fait votre choix, monsieur? Juste à rafraîchir. Asseyez-vous, monsieur. Allons-y. Relevez la tête, s'il vous plaît. Comme ça. Voilà, je vous remercie. Non, bien droite. Ne bougez pas, monsieur. Suzy, tu réponds au téléphone, ma chérie. Excusez-moi, monsieur. Suzy? Salut, mon Dieu, comment vas-tu? Maintenant, voyons, tu ne me déranges pas. Ah, c'est pas vrai. Si. Elle est bien pas celle-là. Jamie, un instant, j'ai oublié mon portefeuille dans une boutique pas loin d'ici. Faites-lui une bonne coupe, voulez-vous? Sois sage, Jamie. Oh, pourvu que je retrouve mon portefeuille. Voilà, et gardez la monnaie. Dis merci. 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 Au revoir. Salut. Allô? Je vous entends très mal. Attendez une minute.
Désolé, monsieur. D'habitude, Suzy est là le mardi. Hey. 2 minutes. Bonjour, Derek. Bonjour. Allô? Oui, oui, allez-y, je vous écoute. Comme d'habitude, Derek. Et j'étais là avant lui. Oh, salut-vous. Vous ne faites que couper les fourches et vous réduisez le volume, voulez-vous? Regardez la monnaie. Au revoir. Hey. Attendez. Quelle journée! Merci, Derek. Du beau travail. Roger? Roger? Alors, où est-il? Qui? Qui c'est que ça? Mais j'aime cette coupe. Mais non, tu ne l'aimes pas. C'est quoi tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, je vous écoute. Ça se voit, non, ce qu'il y a. Mon fils a une tête de singe. Ne hurlez pas, madame. C'est horrible. Avez-vous une idée? Et que j'ai la coiffure. Attendez, attendez, je ne comprends pas ce que vous racontez. Qui vous a coupé votre tête? Mais qui vous a fait quoi? Le portefeuille, le temps d'aller le chercher. Vous avez vu ça? Votre Altesse. Vous prétendez avoir laissé votre fils ici et qu'on lui aurait fait cette coupe de cheveux dans ce salon pendant que vous êtes allé chercher votre portefeuille.
Allez, allez, bien, bien, mon chien, c'est très bien. Oui, très, très bien. Allez, allez. Avancez, les petits. Allez, avancez, allez, allez. Non, 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 non. Oui, mais non, pas par là. Ben bravo. Ben maintenant, arrête-les. Je vais me prendre environ une heure jusqu'à 3h15, ça va? Merci. C'est du bon, ça, je crois. Bien joué, monsieur. Merci. Tirez sur le proviseur. Très beau, ton chien. Toi, tu es le numéro 2. Désolé de mon retard, j'étais enfermé dans les toilettes. Oh, je vous en prie, mettez-vous là, voulez-vous? Ton nom, s'il te plaît. Luc. Merci, Luc. Tu es un très, très beau chien. Il s'appelle Poppy. Poppy, il est très beau. Bin. Et votre animal?
Viens. Viens, viens. Un petit instant. Colonel, pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Il faut commencer. On peut autoriser ça? Il faut commencer tout de suite. Dépêchons, dépêchons, dépêchons. Très bien. Silence, s'il vous plaît. Silence, les enfants. Et tout d'abord, le test d'obéissance. Reste assis. Reste assis. Reste assis. Oh. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci.
terminant. Attention à la fermeture automatique des portières. Quai numéro 23, le train destination de Moscou va partir dans 5 minutes. Annoncé.
Rupert Bean, Rupert, je vous en prie, entrez et débarrassez-vous de vos manteaux. Rupert, je vous en prie, asseyez-vous sur cette chaise. Allez-y, jouez. Et vous, mettez votre petit chapeau. Hubert, si vous voulez bien me suivre et vous asseoir là. Allez-y, je vous en prie, asseyez-vous. Oh, un instant, je reviens.
n'oublie jamais lui. On ne voit pas le temps passer lorsqu'on s'amuse autant. Allez, venez, messieurs. Je n'ai qu'un au revoir. Oh, attendez. Vous me prenez par là et moi par là, d'accord? Bien, allons-y. Je n'ai qu'un au revoir, mes frères. Je n'ai qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons, mes frères. Je n'ai qu'un au revoir. Très bien. Oui, il se fait tard. Il est temps d'aller se coucher. Je vous en prie. Je vais vous ouvrir. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir, merci au revoir, d'être venu. Thank you.
Oh.
Thank you.
Bonjour mademoiselle, ça me fait plaisir de vous voir. Venez par ici, justement il reste une machine là. Je suis venue plusieurs fois. Vous allez bien? Vous n'étiez pas là. Ben, j'ai pris quelques jours de vacances. Thank you.
Pouvez-vous me dire ce que ça veut dire? Lorsque je suis arrivé, ce kimono était blanc. Eh ben, vous avez dû faire une fausse manœuvre, c'est pas... moi qui ai fait une fausse manœuvre? Tenez, on va aller vérifier tous les deux. Oh, c'est pas la peine de me tirer comme ça. C'est bien votre machine. Alors, c'est votre problème. Vous voyez, c'est un kimono de marque, il m'a coûté une fortune. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous allez remplir un formulaire. Quel formulaire? Bon, suivez-moi. Oh, mais où est-ce que vous allez? Merci.
Merci. Merci. Attendez. Non. Non, non. Thank you.
n'en aura pas d'autre. C'est bon. Non. Thank you.
Allez, ouvre la porte, s'il te plaît, John. D'accord. Je peux pas, elle est coincée. Numéro 22. Mais pourquoi vous me pincez les fesses? Attends, pour qui vous me prenez-vous? Vous pouvez aller vous asseoir. Merci, madame. Bonne journée. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Bill. Et quel est votre problème? Prenez un ticket et allez vous asseoir un instant, monsieur Bill. Ça veut dire, vous êtes passé au numéro 54 au numéro 52, alors moi je comprends pas ce que ça veut dire.
92. Ah, j'ai 92. Suivez-moi. Vous n'avez pas le droit de passer un moment. Attendez ici. Quelqu'un a dû retourner le compteur par mégarde. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Et voilà. Le 26. Oui, le 26, c'est moi. Veuillez me suivre. Quelqu'un a perdu son ticket. Ce ne sera plus très long. Ne vous inquiétez pas, ce sera vite votre tour. 52. Je vous l'amène. Je vous laisse vous en occuper. Merci. Numéro 53. Docteur Marlowe, veuillez appeler votre secrétariat, s'il vous plaît. Ça suffit. Mais bon, du temps. Quel est votre nom? Binet. Quel est votre problème? Mais vous voyez bien mon problème, j'avais l'histoire que ma main est coincée là-dedans, oui. Alors donnez-moi un ticket, je vais être chez vous. Prenez votre ticket et allez vous asseoir. Regardez ce que j'en fais de votre ticket, moi. Là. Poubelle et bougez-le.
Oh.